Donc, allons-y. Ah, joie. Non. C'est littéralement bon. C'est chiant. Aïe. Quel plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va tester deux trucs géniaux. Deux trucs, deux armes du système Rolling Block. Rolling. Quels sont fantastiques. Inventé par Leonard Geiger, je sais pas, et breveté en 1863, c'est-à-dire globalement pendant la guerre civile américaine, Geiger, avec son partenaire Alger, ou Alger, on va l'appeler comme ça, hein. Décidément que des noms à la con, se sont démerdés pour vendre leur fameuse invention à Remington, qui l'a mis en service sous le nom de Split Breech. Interruption absolument sanglante de cette vidéo. Nous sommes quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Je vous ai parlé à l'instant du Split Breech, du très rare Split Breech. Évidemment, je n'avais qu'une photo à vous montrer. Oh yeah! Le Split Breech, le voici, le voilà, le... Oh mon Dieu! Je pourrais pas tirer avec puisque c'est du 50 RF et évidemment j'ai pas les mines. Elles sont absolument introuvables. Mais voici un Split Breech, un vrai, de vrai. Et ça c'est bon, c'est rare, c'est pas si cher que ça. Je pensais ça beaucoup plus cher que ça. Mais non. Voici le Split Breech et ça c'est beau. À partir de 1865, c'est le famoso, et dont nous reparlerons la prochaine vidéo d'ailleurs, le famoso Joseph Ryder qui va un petit peu améliorer tout ça. Le Split Breech change de système et devient le système Remington. En 1866, 50 000 pistolets de ce type sont acquis par la Navy, et en 1867, Exposition de Paris, le premier fusil utilisant le Rolling Block est présenté. La Navy passe commande de 12 000 de ses fusils et il devient réglementaire dans pas mal d'armées et surtout dans les armées des pays nordiques. Les pays nordiques ont adoré, surkiffé, déifié le Rolling Block. Norvège, Danemark et surtout Suède. Alors on va commencer en douceur avec un petit 22 short. Ça vous avait manqué, hein? Ce petit 22 short, c'est celui-ci. C'est un Husqvarna qui s'appelle dans la formidable langue suédoise, qui est d'une poésie absolument délirante. Le Salongskevar numéro 19. Non, je vais pas dire 19 en suédois, sinon il va y avoir une guerre. Qui est en fait un dérivé quasi point pour point, à un détail près, du Salongskevar numéro 9, qui lui-même est un dérivé point pour point, mais en miniature, du Gevar numéro 9. De chez Husqvarna, qui utilisent tous donc le système Rolling Block, comme vous pouvez le voir, voilà. Il est tout petit, mais c'est quand même un bloc roulant. Le Rolling Block, on le reverra sur le suivant, mais a la capacité de s'auto-locker, c'est-à-dire qu'une fois que le chien est abattu, il passe sous le bloc culasse, et donc il le verrouille totalement. Alors celui-ci, vous pouvez remarquer, a du jeu, parce que pour ne rien vous cacher, autant j'adore Husqvarna, autant le Salongskevar numéro 19 n'est pas franchement le meilleur flingue qu'on ait fait de l'existence, surtout en termes de... comment vous dire, d'ajustement. Alors, donc, ça tire le 22 short.
J'en ai plus beaucoup, mais c'est pas très grave, ça suffit amplement. Alors, c'est très intéressant, moi, je trouve, si ce n'est que c'est un poil dépouillé, on va dire ce qui est, ça une... C'est très plat, c'est-à-dire, c'est vraiment... C'est zen comme flingue, on va dire, hein, comme design, on va dire que c'est zen. Alors, il existait en plusieurs calibres, 22 Short, 6 Bosquet, 6 Flaubert. Il a également existé avec juste une amorce et une petite bille qu'on mettait dedans, on collait l'amorce sur une cheminée et poum, ça faisait pas. Alors, allons-y, testons ça. Alors, pour ne rien me cacher, je ne sais pas du tout où ça tire, je suis sur une cible de 2,5 et je crains que, bon, voilà, hein. Ah non, même pas. Ah, incroyable ça. Et ça m'a même pas coincé la munition. Parce que mais c'est formidable, tout se passe bien là aujourd'hui. Tout se passe bien parce que pour ne rien vous cacher, j'ai retouché un peu la mécanique, mais j'avais pas fini. Et je pensais qu'il fonctionnerait moins bien que ça. Mais il fonctionne et extraordinairement bien. Alors en termes de recul, de machin, il y a zéro. Les sensations, c'est un peu le niveau moins 12. La prise de visée est vraiment pas ce que j'ai connu de meilleur, parce que c'est vrai que c'est un énorme guidon, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une lame qui est colossale, mais dans une hausse qui est vraiment pas très crantée, et c'est bon, même avec les bonnes conditions de lumière du stand, c'est un peu limite. Pire, c'est que ça a l'air d'aller, hein. Alors je dis ça, je vois pas grand chose, je vois deux impacts en bas et un impact en haut à gauche. Mais ça a l'air de quand même pas trop déconner, hein, surtout pour un truc de cette gamme-là. Alors au cas où certains se demandent, c'est rayé, hein. C'est rayé, alors oui c'est monocou, mais c'est ça qui est aussi fun avec le système Rolling Block, c'est que c'est typiquement l'arme qui te force à prendre ton temps. Et ça, moi, j'adore. Mais j'adore hein, le système Rolling Block. J'adore. J'adore moins les répliques Pederzoli qui sont même pas dignes d'exister, comme la plupart des répliques Pederzoli, d'ailleurs. Les répliques Huberti, j'ai vu qu'il y en avait en 22 max. Ça me fait bien envie. Mais ça coûte un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Très sympa. Ben, je suis... Oh, là, en plus, il éjecte. Je suis extrêmement surpris que ce truc fonctionne aussi bien. Allez, je vais m'en faire encore une. Parce que, voilà. Très fun. Très, très fun. J'aime bien. Alors, c'est... Là, je suis un petit peu déçu par rapport, on va dire, à la très grande opinion que je me fais des productions Husqvarna, hein, on est bien d'accord. Maintenant, le bronzage est sublimissime, c'est un noir gris très profond, très waouh, magnifique. Bon, les ajustages sont vraiment faits un peu à la pisse. En dehors de ça, c'est un truc très sympa, avec une plaque de couche métallique. Bon, les bois sont un peu taillés à la serpe, mais ça renforce, on va dire, ce côté très cubique du flingue. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, allez. Alors, en 1867... Les militaires suédois, qui jusque maintenant n'avaient que des armes à percussion, décident de passer au système Rolling Block qui leur paraît, ma foi, très sympathique. Et ils ont raison. Ils le choisissent dans un calibre un peu délirant, le 12-7 par 44R. C'est ça. Oui, c'est un calibre 50, oui. Et non, c'est pas ce calibre 50. Je vous avais dit que je trouvais un calibre 50. Pour être tout à fait honnête... J'avais pas prévu de trouver ce calibre 50 là. Il existe plein en fait d'exemplaires de Rolling Block qui ont été rechambrés dans des trucs plus ou moins farfelus. Alors évidemment des calibres de chasse, mais aussi des 50-100 qui sont des 12-7 assez imposants quand même. Donc ils choisissent le 12-7 par 44R. Pourquoi ? Parce que leurs armes à percussion jusqu'à maintenant étaient en 12-15. C'était donc des balles rondes, ou peut-être même d'ailleurs des ogives, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, elles étaient en 12-15. Et donc la différence leur paraissait assez sympathique, parce qu'on dit 12-7 par 44 heures, mais en réalité, c'est pas un 12-7, c'est réellement un 12-1. Ça n'est pas un vrai 12-7. À l'exception des 10 000 premières conversions de fusils plus anciens et des 20 000 premiers Remington Rolling Block 1867 construits neufs par Remington,
Eh bien, tous les Remington 1867 et dérivés seront produits, alors à Kongsberg pour les Norvégiens, et bien entendu pour les Suédois, chez Husqvarna et chez Carl Gustaf. Sachant d'ailleurs que Carl Gustaf et Husqvarna, à L2, ont produit 80% des Remington Rolling Block militaires existants. C'est vous dire. Sur ces 200 000 fameux fusils, celui-là, c'est le mien. Alors, vous allez me dire, il a été transformé chasse. Plus ou moins. Il a encore sa crosse, il a encore son garde-main, il a perdu un bout de sa hausse, mais c'est toujours un bout de sa hausse. Maintenant, il a une hausse fixe, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le fût a été raccourci, théoriquement, il s'arrête là. Mais c'est les seules et uniques différences. D'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'il a été fabriqué en 1879 et que je le kiffe. Alors, c'est un gros bébé, hein. Ça pèse un peu son poids, je sais pas du tout combien ça peut peser. C'est très sympa et là, vous pouvez voir, évidemment, le gros système rolling block. Donc là, vous avez le chien. Clac. Qu'on arme. Donc, on est censé armer à l'armée réelle. Il n'y a pas de cran de sûreté qui permette d'ouvrir. Ça, c'est un peu bizarre. Et ensuite, le bloc roulant qui porte donc le percuteur à l'intérieur. Et la chambre qui va me permettre de chambrer ce beau bébé. Alors, allons-y pour le tir. Sachant que j'ai mis longtemps à avoir la charge qui me convenait sur ce Remington. Pour deux raisons. La première, c'est que le percuteur était complètement HS, il a fallu que j'en refabrique un, et croyez-moi, c'est très chiant. Et ensuite, bah, parce que il faut jouer, bien entendu, je ne charge pas PN, hein, parce qu'à la base, il était chargé PN. D'ailleurs, je vous fais remarquer juste comme ça qu'à la base, le 12-7x44R était une cartouche annulaire. Il n'y a en fait que les conversions civiles qui sont en 12-7x44R centrale. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien, on trouve quasiment plus aucun Rolling Block 67 en annulaire. Moi en tout cas, j'en ai jamais vu sur le marché. Ça a l'air d'être extrêmement rare. Alors, la première que je vais tirer, c'est ça. Alors ça, comme vous pouvez le voir, c'est un truc que j'ai acheté, ça m'a fait rigoler. Ce sont des ogives imprimées en 3D. J'en ai tiré une il n'y a pas longtemps, là, ça a eu l'air de bien marcher, mais je ne l'ai pas tiré à l'épaule, donc on va voir ce que ça donne. En termes de précision, je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas, mais on va voir, j'en ai deux, c'est vraiment juste pour le fun. Allez, c'est parti, on va tester ça. Alors, ça me fait plaisir de commencer par ça, parce que bon, mine de rien, c'est quand même de la bonne grosse bastos, hein, à pas se mentir. Alors, en revanche, vous allez me dire, et vous aurez raison, bah tiens, que la 12-7x44R n'est plus fabriquée par personne, c'est vrai. Et donc, je sens bien que, bah, en fait, va y en avoir qu'une, et encore s'il y en a une, j'ai de la chance. Et que donc, il faut la reformer, vous aurez raison. Ça se reforme à partir de 50-70 government, et c'est un poil chiant à faire. Alors, essayons. Ah, ça fait du barouf, hein, pour un truc... pour un truc en plastoc. J'ai l'impression que je suis en haut à gauche, non ? C'est une impression ou... Alors, est-ce qu'elle va rentrer celle-là ? Oui, donc toutes mes... Ah putain, elle va pas rentrer. Alors je les ai faites un peu au pifomètre pour ne vous cacher, et donc bah, par exemple celle-là, elle ne rentre pas. Je ne l'ai pas faite assez correctement, mais Dieu merci, j'en ai pris beaucoup. On va passer sur les ogives plomb. Alors c'est des gros bébés, hein, c'est les mêmes que pour le Sharps. Je ne sais plus quel poids elles font, mais c'est un poids. Ok, let's go, allons-y. Damn! Alors, c'est pas désagréable. C'est vraiment pas désagréable, mais... Il y a quand même une grosse force d'inertie, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez voir, je vais aller voir où j'ai tiré, parce que j'ai l'impression que je suis n'importe où. Non, en fait, c'est bon, il y a un énorme trou. Je le confondais juste avec le logo de la société qui a fait la cible. C'est une cible réactive, je sais pas, j'essaie. Ouais, donc je suis un peu bas, mais ça fait des bons gros trous. Hein, la vache, je vais essayer de me mettre un peu plus haut. Damn! Oh!
c'est... Ah ouais. Non, en fait, ça, c'est vraiment pas désagréable du tout, surtout pour un calibre comme ça. C'est juste qu'en fait, ça... Alors, c'est extrêmement... extrêmement doux, extrêmement progressif comme recul. Mais vraiment, ça vous emporte et ça vous laisse pas le choix, quoi. Alors, c'est marrant, on a l'impression d'être sur une vague. C'est... Bon, alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est l'impression que ça me fait. Mais... Me demandez pas. Me demandez pas. Alors, évidemment, le Rolling Block verra des améliorations conséquentes. Parce que le Rolling Block a un avantage. Une fois que le chien est passé sous la culasse, c'est indestructible ou peu s'en faut. Vous avez vu la taille des pivots, c'est conséquent, c'est extrêmement conséquent. En fait, ce qui va casser en premier, quasi statistiquement sur un rolling block, c'est le canon, c'est le tonnerre. Mais ça, là, il y a zéro chance que ça bouge. Ce qui en fait un flingue extrêmement fiable, extrêmement rigide, et bah, qui peut pas tellement être emmerdé par quasi aucun problème. Alors certes, c'est un no-coup, mais il est pas sensible à l'enrayement, il est pas sensible à la terre, il est pas sensible à divers problèmes. Comme c'est de la cartouche métallique, bah, il est pas sensible à la météo. C'est des barreaux énormes, donc ils sont pas tellement sensibles à la température non plus. C'est génial. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la visée d'origine, parce que bon, ça, là, c'est une visée chasse qui est pas mauvaise, mais enfin, qui est pas transcendante non plus. Mais c'est vraiment... déjà, c'est clair que c'est un putain de bonheur de tirer avec ce genre de truc. Déjà, c'est un putain de bonheur de tirer au calibre 50, on va dire ce qui est. Là, je sais pas pourquoi, je suis tout en bas. Allez comprendre. Ponk. Ah, mais c'est... Ouais, ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment du bonheur. C'est quand même des morsifs. Hein. Je suis très content de l'avoir. Ça faisait, mais une éternité que je voulais un rolling block. Alors, il se trouve que j'en ai rentré deux le même jour, mais c'est... Ça, c'est vraiment... cette cartouche-là, je ne vais pas vouloir. C'est vraiment extrêmement bonheur. Donc oui, je vous disais, vous pouvez le refaire à partir du 50-70 Government. Encore faut-il en trouver, moi j'en avais, du merci. Le seul truc, c'est qu'il faut retailler le culot, parce que celui de la 50-70 Government est trop large. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certaines cartouches qui ne rentrent pas, c'est juste que je ne les ai pas assez retaillées, quoi. Non, mais écoutez-moi ça, quoi. Flip. J'aime flipper. Vous le savez désormais. Allez, let's go. J'adore. Ah, c'est marrant parce que lors du tir, ça vous déporte réellement sur le côté. Je sais pas pourquoi. C'est une très bonne prise en main. Moi, franchement, j'aime bien. Alors certes, c'est une crosse anglaise, mais on est vraiment pas mal dessus. Là, on est... on a pas trop le poignet tordu. Bon, bien entendu, on a le poignet tordu, hein, mais... Ça va, c'est pas trop désagréable. Allez, the last one. Profitons. Et il vous fait bien sentir qu'il est là, quand même. Hein. C'est pour ça. Alors là, vous m'en voudrez pas, mais je fais pas de tir à gauche, hein, parce que ça me déglingue un peu, déjà, le pec de ce côté-là. Alors, de l'autre côté, je sens que je vais me faire mal. Alors, parmi les dérivés du modèle 1867, il y aura notamment le modèle 89, qui sera son successeur direct, qui aura pour on va dire, différence majeure son calibre, qui était, pour l'époque, un extraordinaire calibre, le 8.58 RD, qui est un gros étui bouteille qui se reforme de nos jours avec le 7.62x54R. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, en gros, c'est un 7.62x54R, dilaté à 8 mm. C'était un excellent calibre, ça a donné des armes extraordinaires. Le 89 est une très très bonne arme qui a quelques améliorations, par exemple une amélioration de chien, et un chien beaucoup plus long, enfin une crête de chien beaucoup plus longue qui permet donc, je suppose, de la choper facilement avec des gants. Il est un poil plus court, je crois, que le 67, que ce soit dans sa version carabine ou dans sa version fusil, puisqu'il y a eu les deux versions, que ce soit pour le 67 ou le 89. Bah, ma foi, voilà, on aura tout dit sur ce fameux Rolling Block. Qu'est-ce que c'est bien. J'adore, et en plus... Alors c'est marrant parce que c'est bien la première fois que je cherche à tout prix le modèle antérieur, mais bon, je voulais ce 12-7 là.
Parce que vraiment, c'est trop fun. Ah tiens. Hop. Attendez. Attendez, est-ce qu'il m'en reste une? Attendez, attendez. Oui, il m'en reste une. Ah. Allez, let's go, la dernière, on se dit au revoir. Baby, I love you. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, notamment avec des calibres 50, car il faut admettre que ce sont souvent des calibres assez marrants. Sauf le Desert Eagle. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao, merci beaucoup.